Bonjour, je me nomme La Flèche des Bois, voyageur et explorateur pour une compagnie fourrure. Le commerce des fourrures est ce qui est le plus important pour développer le Canada. Les fourrures sont en majorité envoyées en Europe où sont fabriqués des chapeaux. Mais je fais déjà un très beau chapeau, moi. Pas besoin de m'envoyer en bateau. Ne t'inquiète pas, je te garde avec moi. Allons-y, la route est longue, direction l'Assomption. Pourquoi l'Assomption? Tout d'abord parce que l'Assomption est reconnue pour fabriquer un objet très recherché qui a beaucoup d'importance dans le commerce de la fourrure. Des castors! Non, des ceintures fléchées. On appelle ce modèle la ceinture fléchée de l'Assomption. Elle a parfois des flèches nettes et souvent des éclairs. Ce sont les dames de l'Assomption qui fabriquent à la main les ceintures pour les compagnies de traite de fourrure. Mais ces ceintures-là sont pas faites en fourrure. Moi, je suis en fourrure. Je sais de quoi je parle. On fabrique les ceintures avec de la laine de mouton, bien sûr. Nous, les voyageurs, parcourons un vaste territoire afin de conclure des marchés avec différents peuples autochtones qui étaient fascinés par la ceinture fléchée et enviaient ce produit, donc ils étaient prêts à faire du troc. Nous faisons des échanges, traversons des forêts et des rivières ensemble, et certains voyageurs s'y sont établis et y ont pris femme. Les enfants nés des femmes autochtones et des voyageurs ou marchands de fourrure a donné le peuple métis. La ceinture fléchée des habitants du Bas-Canada est un objet très recherché. On les échange contre des peaux de castor. Wow! La fourrure vaut cher! Et oui! La ceinture fléchée est devenue un symbole culturel qui nous identifie et nous différencie des autres. En route, ficelle! Nous avons encore un long chemin à faire pour ramener ces échanges au poste de traite.